désolé, l'ami. Je cherche mon vieux copain, Monsieur Krabs. À peu près de cette taille, rouge. Il aime l'argent. Problème de crabe, hein? Je pense qu'il faut voir ça avec le shérif de Montafé. Qu'est-ce qu'il y a, Bob? Qu'est-ce que tu vois? De l'eau? Du soda? De l'eau gazeuse? Qu'est-ce que tu vois? Oh, Bernacle, c'est trop petit! On n'y entrera jamais! Pourquoi est-ce qu'on est si gros? C'est pas petit, Patrick! Ah bon? C'est juste très loin, très très... On est sauvés, Patrick! C'est Madame Puff! Si quelqu'un sait où se trouve Monsieur Krabs, c'est bien elle! Bien le bonjour, étranger. Vous êtes venu à pied jusqu'ici? C'est très dangereux. Vous pourriez vous assécher en un rien de temps. Je gonfle en rien que d'y penser. Moi, je gonfle quand je mange de la nourriture pour escargot. Salut! Je m'appelle Bob l'éponge. Et ce ballon, c'est Patrick. On cherche notre ami, Monsieur Krabs. Mais vous ne le connaissez peut-être pas sous ce nom. Il voyage peut-être sous un nom d'emprunt. Oh, comme Jérémy. Ou Pétunia. Ou Capitaine Pince. Ou Ronaldo. Un crabe sans nom, hein? Va voir à Montafié. C'est là que finissent tous ceux à qui il manque quelque chose. Pourriez-vous nous emmener là-bas? C'est un véhicule auto-école, pas un taxi. Mais si tu passes l'examen avec moi, tu pourras t'y rendre tout seul avec ton propre permis. Mon propre permis? Quand tu seras prêt, retrouve-moi près de l'hippocampe. On verra si tu réussis à rester dessus jusqu'à Montafié. Madame Puff, je veux dire, Madame l'instructrice, je dois vous avouer que j'ai déjà fait ce genre de choses avant et les examens, c'est pas toujours mon truc. Alors, est-ce qu'on pourrait sauter ce passage? Oh, ne dis pas de sottises, Bob. Un petit rodéo n'a jamais fait de mal à personne parmi les survivants. À vos marques, prêts? Oh, mon pauvre, tu as 6 points sur 7. Je ne suis qu'à 1 point de réussir l'examen. Youpi! On peut réessayer. C'est tellement amusant. Oh non, ce n'est pas nécessaire. Je ne savais pas que tu t'étais amusé. Cela te vaut 1 point supplémentaire. Voici ton permis. Merci, partenaire. Un permis! Bob! Hey, pas si vite, Rotley. Je crois que c'est pas possible. Ce permis me permet uniquement de monter à dos d'hippocampe et autres poissons de cette catégorie, à l'exception de... Oh, ça ne parle pas du tout de bateaux mobiles. Enfin, quand les bateaux mobiles auront été inventés, il me suffira de repasser l'examen. C'est Sandy. Je veux dire, le shérif. Regardez qui voilà. T'es peut-être jaune moutarde, mais est-ce que t'as le mordant qui va avec? Oh non, je ne mords pas. Je suis tatillon sur l'hygiène. Je cherche mon ami Monsieur Krabs. Vous l'auriez vu? Il a de grands et beaux pédoncules oculaires et de... Je suis plus de service pour le duel, mon mignon. Mais si jamais t'arrives à me battre, je jetterai peut-être un œil à ton affaire. Partant. Vaut mieux que tu te trouves une paille, cow-boy, et assure-toi qu'elle aspire droit. On va se faire un petit duel de soda au cactus. Y a pas une seule créature marine capable de boire plus de soda que moi. Tu vas sombrer plus vite qu'un bébé à l'heure de la sieste. Des bandits en gelée. Eh ben, t'as plus de surprises en réserve que mes chaussettes après une tempête de sable. Tu t'es bien occupé de ces bandits en gelée. Maintenant, voyons voir de quoi t'es vraiment fait. Attrape ta paille. Bon sang, on est à court de soda au cactus. Depuis que les bandits de ce bandit aux mains rouges ont pris le contrôle de nos fermes à cactus, on n'a plus beaucoup de provisions. Tu crois que tu pourrais aller jusqu'au mont cactusien pour nous ramener un petit peu de jus de cactus? Plutôt, on finira notre duel, plus vite je pourrai résoudre ton affaire de crabe. Ne vous inquiétez pas, shérif. Votre adjoint Bob... Et votre adjoint Ballon... sont sur le coup. J'aime pas les cactus. C'est même pas bon. Ils sont verts, juteux et épineux. Comme un concombre qui te fait bonbon à la bouche quand tu le manges. Ne t'inquiète pas, Patrick.
On s'en ira dès qu'on aura trouvé davantage de jus de cactus. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Salut, Cowboy. Désolé, je t'en mets pas. Mais j'ai pas pu m'empêcher de vous entendre parler de boissons de cactus. Ça demande du cran de se lancer dans ce business. Je vous suggère d'engager un consultant pour vous guider contre une modeste part de 70%. Et je vous dirai où trouver les cactus à la sève la plus rafraîchissante, hein. Les gens paient des sommes folles pour en avoir depuis la pénurie. 70%? Il y a anguille sous roche. Oh, désolé, j'ai dit 70. Je voulais dire 80, bien sûr. Oh, je préfère. Il suffit de suivre la route jusqu'au mont cactusien. Et n'allez pas arnaquer votre pauvre consultant débordé. Je ne prends que 90% de votre chiffre d'affaires. Allez, Patrick, partons à la recherche de ces concombres épineux. Oh, regarde, un vieux panneau d'avertissement. Ça dit « Mon cactusien ». Épines, chaleur mortelle, bandits et sable mouvant. Amusez-vous bien. Ça m'a l'air dangereux, Bob. Il y a peut-être un hippocampe dans les parages qui a besoin d'un cavalier agréé. Oh, c'est marrant de vous retrouver là. Je viens vérifier que les tonneaux sont à l'abri des brandis. Il y a des profits, des cactus juteux partout dans les parages. Allez, filez. T'as une sacrée technique pour atteindre ces cactus. Mets le jus dans ce tonneau-là pour le mettre à l'abri. Et un tonneau rempli. Continuez comme ça, mes petits nigos. Oh, je vais avoir besoin de plus de sève que ça, mon gars. Patrick, je crois qu'on est tombé dans une sorte de grande grotte sombre en forme de verre. Ce qui signifie qu'elle a probablement été créée par une créature féroce et terrifiante comme une oie. Eh, salut, étranger. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Si c'est de l'or que vous cherchez, dégagez! Il est à moi! Il faut vraiment, vraiment qu'on retourne à la surface, monsieur le mineur. Le soda de notre ami en dépend. Eh bien, je pourrais te laisser utiliser mon mont de charge. Mais qu'est-ce que j'y gagnerais? Tout ce que vous voulez. Rien n'est impossible pour notre incroyable duo. Bien. Ce fichu vertoro d'Alaska est obsédé par mon or. Il m'a fait sauter ma plus belle dent. Bah, si vous me récupérez ma dent, je peux vous faire remonter à la surface. Vous avez retrouvé ma dent? J'aurais parié une pépite d'or que vous auriez déjà été transformée en pâté pour verre. Mais vu que vous avez survécu, vous avez ma dent? Je ne sais pas. Est-ce que les escargots laissent de la bave dans les bois? Bien sûr! Si tu veux, le monde charge est à vous, les gars. Oh! Et je sais pas ce que vous avez fait en bas, mais vous schlinguez! Allez, prenons ce monde charge. Ça devrait nous remonter le moral. Quelques secondes. Ils volent nos réserves de soda. Cravache, Patrick. On a un train à rattraper. Tu dois me laisser rester ici. Je t'en supplie.
vous êtes en état d'arrestation en bandit aux mains rouges. Comme je te le disais, Bob, tu dois me ramener. C'est des carapaces, tu en vivras pas en prison. Désolé, shérif, je me charge de celui-là. Je devrais arrêter de boire autant de soda au cactus quand je suis en service. Eh ben dis donc, ça m'a appris quelque chose d'important, ça, c'est sûr. Que tout n'est pas qu'une question d'argent. Quoi? Non, non, non. Non. Tout est une question d'argent. Mais j'ai appris que je ne peux pas mettre un prix sur mon employé du mois. Je suis là pour vous aider, Monsieur Krabs. On va trouver Pearl et le crabe croustillant et les ramener en un rien de temps. T'es un bon garçon. Allez, vas-y. Maintenant, je suis sûr que tu peux te déplacer un peu plus vite avec tes nouvelles compétences de conduite. On a encore beaucoup d'amis à ramener chez eux, Patrick. Allons-y. Bob, j'ai besoin de ton aide. Sheldon est trop fier pour te le demander lui-même. Mais tes sottises ont renversé le sceau de l'enfer et nous avons besoin que tu le remettes sur pied. Nous avons déjà construit une plateforme grâce à des calculs précis, mais Sheldon n'a pas pris en compte sa... petite taille. Excuse-moi, mais il y a des choses plus importantes que des poubelles renversées. Ce n'est pas une poubelle, c'est un seau. Et il s'agit du seul restaurant de Bikini Bottom. Je sais que tout le monde aimerait manger dans un seau, mais c'est le destin de tout l'univers qui se joue actuellement. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que l'univers peut tenir bon jusqu'à ce qu'on ait aidé un ami dans le besoin. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mes calculs sont pourtant parfaits. On peut peut-être t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Mais si tu veux te faire pardonner pour tout ce bazar, je suppose que je peux t'autoriser à m'aider. Tiens, utilise ce super améliorateur d'élan véloce que j'ai inventé pour l'occasion. Ouh, c'est une planche de surf à bulles. Oui, mais je lui ai donné un nom sophistiqué. Alors c'est à moi que reviennent les honneurs. Je ne suis jamais venu ici, mais comme le crabe croustillant a disparu, j'imagine que je n'ai pas le choix. Est-ce qu'il y a un truc comestible ici? Techniquement, oui. Nous, citoyens de Bikini Bottom, devons rester unis en ces temps difficiles. Alors, sachez que le sceau de l'enfer acceptera avec humilité son rôle d'unique pourvoyeur de nourriture. Pauvre fou! Plankton, j'ai toujours su qu'au fond, tu étais un membre actif de la société. Et ne t'inquiète pas, Patrick et moi allons tout faire pour tout remettre en ordre afin que personne ne soit plus jamais obligé de manger au sceau de l'enfer. Attends, cette dernière partie était vraiment nécessaire, tu crois? Oh oui! Une telle quantité de gelée pure et naturelle, toute cette puissance à l'état brut. Pour créer ton prochain costume, il va te paraître très familier, mais ne laisse pas les apparences te tromper. Quand tu traverseras le prochain portail. Ouh, mon équipement de karaté. La tenue la plus classe que je possède. Ce sera de faire des fois espoir. Bob et Patrick à la rescousse.